Abonnez-vous, merci. Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les infos de l'Olympique Lyonnais ce samedi 27 août 2022. Comme vous l'a dit Shannon en introduction, abonnez-vous, merci. Alors, nous allons évidemment parler un petit peu du départ de Lucas Paqueta donc à West Ham. Vincent Duluc, qui est évidemment très très bien informé, puisque il suit l'Olympique Lyonnais depuis très longtemps, et je pense qu'il a vraiment de très très bonnes sources à l'intérieur du club. Alors il fait un article quand même, vous voyez le titre, hein, artiste et inconstant, donc un article quand même un petit peu à charge contre Lucas Paqueta. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, hein, et on a d'autres journalistes qui couvrent l'Olympique Lyonnais, qui, on a l'impression, sont presque mandatés par le club pour dégrader un petit peu le passage de Paqueta à l'OL, parce que du côté des supporters, il n'y a pas unanimité, je l'ai vu d'ailleurs dans les commentaires, il y a certaines personnes qui ne sont pas spécialement tristes du départ de Paqueta, parce que ça va donner la place à d'autres joueurs. Mais on va dire quand même que la grande majorité des supporters est très très déçue, voire furieux pour certains. Bon, ce qui est fait, hein, de toute façon, on ne peut pas changer les choses. Donc Vincent Deluc nous dit ici, la déclaration est beaucoup plus révélatrice qu'innocente, donc il ne figurait pas dans l'équipe des titulaires en début de préparation. L'entraîneur et les dirigeants lyonnais étaient d'accord pour le vendre, donc Paqueta, dès la fin de la saison dernière, parce que c'était la volonté de Paqueta. Je rappelle que Hervé Penaud, donc autre correspondant de l'équipe, avait confirmé que c'était la volonté de Paqueta. Alors après, la volonté de Paqueta peut être telle qu'elle est déclinée par les dirigeants, mais comme je le dis toujours, avec 3 ans de contrat, si Paqueta part à West Ham, c'est qu'il est d'accord. On peut évidemment être offusqué par ça, et je le suis, hein, je le dis tout de suite. Je regrette évidemment le départ de Paqueta, parce que j'étais vraiment passionné par ça. Sa relation technique avec Lacazette, avec Tolisso, avec éventuellement Le Penant, Cacré, etc., avec Tété. Enfin, je pense que il y avait vraiment de quoi faire quelque chose d'exceptionnel. Mais bon, on nous dit, on nous réaffirme ici que Paqueta voulait partir. Alors sans doute l'absence de Coupe d'Europe, mais voilà, on dit que c'est sa volonté. Hier, Loïc Tanzi et Hugo Guimet nous disait quand même le contraire. Il disait que Paqueta voulait rester et que c'est l'Olympique Lyonnais qui pousse. Donc, le même journal nous donne deux sons de cloche diamétralement opposés. Qui dit la vérité? Ce qu'on peut dire quand même, c'est que, bon, déjà, les dirigeants sont d'accord pour qu'ils partent. Mais aussi que si le deal se fait, c'est que Paqueta est d'accord. Faut pas l'oublier, Paqueta, il est sous contrat. S'il ne veut pas partir, il ne part pas. Regardez Boubacar Camara l'année dernière à Marseille, il voulait pas partir. Rappelez-vous, Memphis Depay est allé au bout de son contrat. Regardez ce qui se passe avec Moussa Dembélé. Un joueur qui ne veut pas partir, il ne part pas. Adrien Rabiot, qui a été mis sur la touche sa dernière année au PSG. Non, vous ne pouvez pas forcer un joueur à partir s'il ne veut pas partir. Donc si Paqueta part, aussi dur que ce soit à entendre pour les supporters, c'est que c'est sa volonté. Alors après, le club peut faire tout ce qu'il faut pour lui montrer qu'il tient à lui. Mais bon, visiblement à l'OL, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On nous dit d'ailleurs ici aussi que ce qui a, on va dire, poussé les dirigeants à le transférer, c'est sa deuxième partie de saison dernière. Alors, évidemment, on le sait tous, Paqueta a été très marqué par le départ de Juninho et le départ de Guimarães, qui est son grand copain. Mais il ne faut pas aussi oublier que Paqueta était crevé physiquement. Rappelez-vous le fameux match qu'il a joué à la volonté de Peter Boss, ne l'oublions pas. Quasiment à la descente de l'avion, alors qu'il avait fait 18 heures de trajet, etc. Enfin bon, bref, il avait joué en altitude et il a fait ça parce qu'il avait envie de jouer pour l'OL. Et ça, je trouve qu'on l'oublie beaucoup trop vite. Un joueur qui fait une mauvaise demi-saison, ben, ce serait pas le premier, ce serait pas le dernier. Et encore, est-ce que vraiment sa demi-saison est mauvaise? Elle est moins bonne, mais on peut pas dire qu'elle soit mauvaise. Et je trouve qu'en préparation, on a vu des choses très intéressantes, on a vu la technique, on a vu la qualité. Et je pense qu'une fois que la période des transferts soit finie, eh ben, Paqueta, il aurait joué le jeu parce qu'il aime le jeu, il aime le foot. Et donc, je pense qu'on aurait eu des relations techniques absolument formidables entre lui, Lacazette et tous les autres. Donc, il y a quand même une énorme frustration de notre côté.
Bon, bref, financièrement, le deal, il est correct. On va dire 60 millions, c'est une très belle somme. Alors, faut pas oublier qu'elle inclut des bonus et qu'on va devoir reverser une partie, je crois, au Milan AC. Donc, c'est pas 60 millions. Hein. Oui, in fine, je pense que ça va faire 40. Et certains pointent avec raison, eh bien, que des joueurs a priori moins cotés, eh bien, ont été vendus pour beaucoup plus que ça. Tchouaméni, qui a encore du chemin à faire avant d'être titulaire en équipe de France, c'est 100 millions au Real. Dans les commentaires hier, un internaute me disait 80 millions pour Nicolas Pépé en partance de Lille. Donc voilà, on peut dire 60 millions, c'est une belle somme, mais c'est avec les bonus, avec un reversement donc au Milan AC, et donc c'est pas une somme si impressionnante que ça. Paqueta, c'est quand même titulaire en équipe du Brésil, l'équipe du Brésil qui, selon moi, mais ce n'est que mon avis, est favori pour la victoire en Coupe du Monde. C'est quoi qu'on en dise, pour moi, c'est pas une belle vente. Il reste 3 ans de contrat, c'est énorme. Bon voilà, alors maintenant c'est fait, de toute façon, on pourra commenter tout ce qu'on veut, évidemment, ça ne changera rien du tout. Donc, il faut se tourner vers l'avenir. Alors, avant cela, quand même, un petit mot sur Houssem Aouar, qui est le deuxième dossier qui aurait pu se solder en Angleterre, mais bon, on voit bien que ça n'avance pas. Qui plus est, Nottingham Forest a recruté un joueur offensif pour 70 millions. Donc, je pense que la piste Aouar est définitivement enterrée. Néanmoins, Foot Mercato, vous le voyez ici, exclu Foot Mercato, nous apprend que l'OGC Nice, a fait d'Houssem Aouar une de ses priorités. Et donc l'OGC Nice serait sur Houssem Aouar, mais, alors évidemment, nous on prendra l'argent de l'OGC Nice sans aucun souci, mais apparemment l'Olympique Lyonnais ne veut pas renforcer un concurrent direct. Donc voilà, Houssem Aouar n'est pas encore parti de l'Olympique Lyonnais, et le départ de Paqueta peut faire germer dans sa tête l'idée qu'il peut regagner sa place au poste de milieu offensif, hein, moi je crois que c'est possible. En plus, bon, moi j'apprécie le joueur Houssem Aouar. C'est vrai qu'il est irrégulier, il a peut-être pas toujours donné 100%. Bon, il a aussi connu des blessures, il faut le dire. Il a connu aussi le Covid, hein, donc on sait qu'il y a des personnes qui ont du mal à revenir. Donc pourquoi pas continuer avec Houssem Aouar. Mais en tout cas, c'est vrai que le voir partir à Nice après de nombreux autres joueurs de l'Olympique Lyonnais, comme Melvin Barre évidemment, Amine Gouiri, Maolida, bon, qui a un peu disparu des écrans, je crois qu'il est en Allemagne désormais. À l'époque aussi Christophe Jallet, si on se souvient bien. Donc voilà, Nice, c'est pas sûr. Bon, on vient bien voir. Moi, je pense qu'il vaut mieux garder Houssem Aouar plutôt que mal le vendre. Et en plus, s'il fait une grande saison, qu'on sera qualifié pour la Ligue des Champions, je dis bien s'il fait une grande saison, pourquoi pas le prolonger l'année prochaine dans une équipe vraiment à l'ADN Olympique Lyonnais presque à 80%. Donc pourquoi pas? Tout est possible, hein. Vous savez, parfois il y a des joueurs, ils sont en partance. Si vous suivez un peu l'NBA, regardez ce qui se passe à Brooklyn avec Kevin Durant, qui était à 100% partant il y a 3 semaines, qui était déjà un petit peu moins il y a 2 semaines, et puis qui là, finalement, reste. Hein. Si vous connaissez l'NBA, Kevin Durant, ce n'est pas n'importe quel joueur. Donc les choses peuvent changer, les dynamiques peuvent changer. Donc, passons aux infos maintenant par rapport donc au match de ce week-end à Reims, donc à 17h dimanche, donc demain, sur Amazon Prime. Alors, passons à la compo probable. Alors, c'est une compo, j'ai pas d'infos, hein. C'est ma compo probable par rapport aux forces en présence. Donc, on va dire poste de gardien, rappelons que Anthony Lopez est toujours suspendu, Tagliafico sera là, Lukeba également, Thiago Mendes, Malo Gusto. Je pense qu'on aura un duo Cacré-Tolisso, peut-être Le Penant, c'est pas sûr, hein, ça dépend si on veut un 4-3-3 offensif ou moins offensif. Romain Fèvre, hein, qui est le candidat numéro 1 pour remplacer Paqueta, c'est ce qu'a dit le coach lors de la conférence de presse. On sait aussi qu'il y a Jeffrey Nadalaïd, mais je pense que ce sera Romain Fèvre qui sera plutôt titulaire. Carl Toko Ekambi, dont on espère quand même enfin un match digne de ce nom dans cette campagne, parce que pour le moment c'est vraiment le vide intersidéral. Tété, excellent depuis le début de saison, enfin excellent de toute façon depuis son arrivée à l'OL. Et évidemment, notre leader, capitaine Alexandre Lacazette. Pour les absents, on aura Sinali Diomandé, qui est toujours en reprise de blessure, hein, décidément ça n'en finit pas. Boateng, annoncé absent mais sans motif, en tout cas au moment où je fais la vidéo et à ma connaissance.
Oussem Aouar, lui, est là, mais il est incertain. Il se remet d'une douleur à la cheville, donc c'est pas sûr. Et on devrait enregistrer cette fois le retour de Moussa Dembélé. Donc il va peut-être faire ses débuts en Ligue 1 cette saison. Alors notre adversaire, bon, je vais pas jouer les mythos, je les connais pas bien. J'ai vu, je pense, le match de Marseille qui était calamiteux. Je n'ai pas vu le match ensuite, donc Marseille, ils prennent 4-1. Je n'ai pas vu le match ensuite contre Clermont, match où ils mènent 2-0 à la mi-temps. Et ils s'écroulent 4-2 en deuxième après une expulsion de leur côté. Mais une performance là, par contre, j'ai vu le match, justement en prévision de notre déplacement. Un partout à Strasbourg. Croyez-moi, c'est pas facile de faire un partout à Strasbourg. Et si je me souviens bien dans la vidéo que j'ai fait récemment, ils avaient quand même plus d'XG, pardon, donc d'expected goals, que Strasbourg. Donc, une équipe qui semble réagir. Je rappelle que la saison passée, Reims, c'était avec le même coach, donc le même préparateur physique. C'était l'équipe qui courait le plus en Ligue 1. Alors bon, avec des résultats mitigés, mais bon, en tout cas, avec beaucoup de dépenses d'énergie. J'ai vu certains dans les commentaires de la chaîne qui trouvent que je suis petit bras, en considérant que si on fait match nul là-bas, ce sera une bonne performance. Je le rappelle souvent, mais je suis allé voir un match à Reims il y a quelques saisons et ça m'avait bien refroidi. On avait perdu 1-0 dans un match abominable. Et l'année dernière, je crois qu'on perd deux fois contre Reims, notamment avec un but d'Ekitike à domicile. Voilà, ils ont mal débuté la saison, mais je pense surtout qu'il ne faut pas les prendre de haut. Donc un point, je vous dis pas que je serais content. Je ne dis pas que je serais content, mais voilà, je dirais que c'est un moindre mal. Évidemment, une victoire, je signe des deux mains, même une victoire toute pourrie avec un CSC à la 92e. Je prends sans aucun souci, même si évidemment ça m'inquiétera un petit peu sur le niveau de jeu. Dernier sujet, la programmation du match de Lorient, donc déprogrammé pour une pelouse immonde. Donc dans un premier temps, il était évoqué que le match pourrait se dérouler le 14 septembre. Finalement, ce sera le 7, donc un soir de Ligue des Champions. Et le match sera à 19h, donc évidemment une galère pour les supporters de l'OL qui veulent aller voir le match sur place, alors que le match initialement avait lieu le dimanche. Donc bon, ça aussi c'est un autre sujet. Mais enfin bon, voilà, donc très rapidement, dans 10 jours, on joue le match contre Lorient. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Un petit clic et vous êtes débarrassé. Et je vous dis à demain, ou peut-être avant s'il y a des nouvelles infos, notamment en termes de transfert. Vous savez qu'on approche de la fin du mercato, donc il peut se passer des choses à tout moment. Mais en tout cas, pour le débrief à chaud du match. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.